Bonjour les amis, namasté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo numéro 56. Je vais vous parler aujourd'hui de votre nouveau lieu de vie si vous avez ce souhait. Je vais vous partager mon expérience personnelle et puis je vais également vous donner des petits conseils, vous partager des petites réflexions par rapport à la réalité de ce nouveau lieu de vie. Eh bien, beaucoup de patients, de patientes me disent qu'ils ont de la difficulté à faire le pas. Beaucoup d'entre nous savent, imaginent qu'il n'est pas souhaitable dans les temps à venir de rester vivre dans une grande ville, voire même dans une ville de taille moyenne. Parce que si les choses venaient à se compliquer dans les mois, dans les années à venir, eh bien, il serait beaucoup plus facile d'avoir un mode de vie autonome à la campagne, dans la nature, où on va pouvoir avoir accès à des ressources, bien sûr, naturelles, un jardin, de l'eau, et puis aussi, eh bien, la possibilité d'aller aux toilettes de manière différente. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'il y a une coupure de courant de longue durée, eh bien, il n'y a plus grand-chose qui fonctionne dans une ville. Au début, les groupes électrogènes se mettent en place. Et puis, après un certain temps, eh bien, tout a tendance à s'arrêter si la fée électricité est défaillante, y compris les stations d'épuration. Donc il n'y a bien entendu plus d'eau au robinet et plus d'eau dans les toilettes. Donc imaginez-vous ce que ça peut faire en milieu urbain comme expérience. Par le simple fait, par le simple fait que la fée électricité s'est mise pour quelque temps en congé. Donc, eh bien, je vais vous raconter mon expérience personnelle à cet égard, puisque je viens d'acquérir il y a quelques mois, en début d'année, la maison que je pourrais appeler la maison de mes rêves. En tout cas, celle que j'appelais depuis 2 ans. Ouais, depuis environ 2 ans. Il y a environ 2 ans, j'ai perdu mes 2 parents. Donc, j'ai bénéficié d'un certain capital. Ce capital était à la banque, mais comme vous, je sais que les banques, eh bien, ce n'est pas l'endroit le plus fiable du monde pour laisser de l'argent. Donc, ça étant, et d'un autre côté, j'allais pouvoir enfin vivre mon rêve, c'est-à-dire vivre dans la nature. Ces deux facteurs combinés, eh bien, tout d'abord, j'ai prié et j'ai commencé à travailler avec la physique quantique, avec la... En fait, ce n'est pas de la visualisation positive, vous le savez, pour graver la matrice, en fait. La matrice, eh bien, on va la graver à partir de nos sentiments, à partir de nos émotions. Donc, j'ai travaillé à m'imaginer dans ce lieu, à m'y sentir, à me réjouir, à partager, puisque je souhaitais aussi, dans la mesure du possible, que ce lieu soit un lieu de stage ou en tout cas un lieu d'accueil pour soit donner des cours de yoga, soit pour partager des retraites de yoga. Eh bien, j'ai cherché dans différents pays, en France, en Suisse, en Espagne. Et puis, comme ça, je me suis ouvert à tous les champs du possible. En tout cas, les pays qui résonnaient avec moi, qui résonnaient avec moi dans la mesure où le projet ne me dépassait pas. C'est-à-dire que un des pays que je préfère, c'est la Grèce. Je me sens très très bien dans ce pays, j'aime beaucoup les gens, mais je trouvais beaucoup plus compliqué pour moi de faire le saut, de partir en Grèce. Vous imaginez un déménagement pour la Grèce, qu'est-ce que ça représente? Alors qu'ici, mes affaires ont transité en voiture ou en camion. En fait, en Grèce, c'est tout de suite une autre aventure, n'est-ce pas? Donc, dans les champs du possible, finalement, après un an peut-être de recherche,
Je me suis dit, je vais chercher dans deux lieux, je vais chercher en France. Donc, comme vous savez, en tout cas les personnes qui me suivent, je vis à Genève. Et donc, à Genève, il est complètement inimaginable pour une personne comme moi d'acheter une maison en campagne. Il faut compter, je ne sais pas, peut-être 1,5 million, 2 millions, 2,5 millions minimum pour une maison, une petite maison dans la campagne genevoise sympathique. Donc, ce n'était pas envisageable pour moi. Et puis, en revanche, en France voisine, bien que ça soit un département extrêmement cher, je vous parle de la Haute-Savoie, qui est un département que j'aime beaucoup parce que, justement, j'ai grandi dans ce département et j'adore ces montagnes, j'aime ce qui pousse, j'ai du plaisir à être en contact avec ce peuple au sein duquel j'ai grandi. C'est bien naturel, n'est-ce pas? Et donc, j'ai cherché en parallèle en France voisine. Donc, d'abord, mon projet, il s'orientait plus vers la France voisine. Donc, l'idée, c'était avoir un chalet en France voisine, faire un grand rez-de-chaussée avec du plancher pour pouvoir accueillir mes stages, mes cours de yoga, mes séminaires sur les week-ends. Les gens pouvaient toujours aller dormir dans un environnement proche. C'est tout à fait possible dans nos vallées, comme la vallée verte ou autre. Donc, dans un premier temps, mes recherches se sont orientées vers la vallée verte essentiellement. Et puis, j'ai un ami qui travaille avec l'immobilier en Espagne et avec qui j'avais parlé il y a quelques années. Et je lui avais dit, ben voilà, je cherche tel type de bien. Je ne sais pas tellement où chercher, mais si tu trouvais quelque chose qui peut me correspondre en Espagne, eh bien, dis-moi. Donc, il y a peut-être 2 ans, 3 ans, eh bien, il me dit que oui, il a trouvé 2 maisons. Et effectivement, je les trouve sympathiques, ces 2 maisons. Il se trouve que l'une était juste à côté d'une antenne, puisqu'elle était en montagne, relativement haute montagne, autant que peut l'être la montagne qui est proche de la mer. Si vous voulez, on a l'impression d'avoir fait énormément de dénivelé, d'être en pleine montagne, puis tout d'un coup, vous êtes à 400, 500 mètres, voyez, parce que on se compare avec le niveau de la mer qui est relativement proche. Voilà. Donc, ces maisons ne m'ont pas emballé plus que ça. Dans une, il y avait énormément de travaux à faire. Je ne me sentais pas trop pour cette histoire-là. Et puis, dans l'autre, eh bien, il y avait cette antenne juste à côté, donc la maison était pas mal, des travaux quand même, il faut le dire, mais ça restait une maison sympathique, une maison qui aurait pu me plaire. Mais avec une antenne comme ça, c'était vraiment pas terrible. Bon, et puis je continue mes recherches comme ça, parallèle, Haute-Savoie. J'avais lancé des bouteilles à la mer, vous savez, j'ai aussi quelques amis en Grèce. J'avais dit, ben tiens, si tu trouves quelque chose, si tu entends parler de quelque chose, on ne sait jamais. Bon, donc j'avais ouvert mes champs du possible tout en concentrant mes recherches sur la vallée verte. Donc cette magnifique vallée qui est en Haute-Savoie à une demi-heure de route de Genève. Donc ça me permettait de ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire que ça me permettait tout à la fois de continuer à vivre, enfin à avoir mon activité professionnelle à Genève, ce que j'apprécie beaucoup parce que lorsqu'on est naturopathe, eh bien en Suisse, le naturopathe est devenu un petit peu le médecin de famille, comme dans le temps si vous voulez. Il y a peut-être, je ne sais pas, 40 ans ou 20 ans, il y avait encore des médecins de famille qui venaient chez vous, qui connaissaient toute la famille, qui ne géraient pas les dossiers sur leurs ordinateurs, qui vous regardaient, qui vous écoutaient, avec qui on partageait éventuellement un petit thé, à qui on offrait éventuellement une cagette de pommes, voyez ? Eh bien, c'est exactement cette relation que les naturopathes, en tout cas de mes générations, ont avec les patients. C'est-à-dire qu'on connaît toute la famille, alors il y a beaucoup de familles, je connais le grand-père, la grand-mère, je connais aussi les parents et puis les enfants qui sont venus au monde, eh bien, je les suis. Donc, c'est vraiment une relation très, très privilégiée
Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de familles où j'ai vraiment l'impression de faire partie de la famille. Et c'est très facile finalement de les soigner, de les aider dans leur chemin de guérison, puisque je connais tellement bien l'histoire et je les connais tellement bien. Enfin, tout ça pour vous dire que, en fait, eh bien, ça c'était la solution de facilité et puis une solution aussi qui était, ma foi, très plaisante, pas brutale, voyez, ben, j'allais mettre mes affaires dans un petit camion ou les amener progressivement avec ma voiture et puis tout va bien, voilà. Et donc je fais mon travail d'imprimer la matrice. Je demande aux anges, puisque comme la majorité d'entre vous, eh bien, j'ai du mal à dire je crois aux anges. C'est plus que je crois, c'est que les anges font partie de ma vie. C'est pas le fait d'y croire ou de pas y croire. Ils sont là. Donc, voilà. Donc oui, les anges font partie de ma vie. Donc j'ai demandé aussi à mes amis les anges et puis aux autres, quoi, aux créatures de lumière qui m'accompagnent. Comme... disent nos contemporains à mon équipe de lumière. Et rien, rien. Un an, rien. Et puis pourtant, j'avais vraiment envie de changer et j'avais vraiment pas non plus envie de garder de l'argent à la banque, vous voyez. Donc, l'envie, elle était là. J'ai fait quelques séances de thérapie pour aller voir si je m'auto-bloquais, s'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Rien. En tout cas, on n'a rien trouvé de particulier. Bon, ben, ma foi, ou s'il y avait, en fait, ce qu'on a trouvé, on a pensé qu'on l'avait débloqué. Voilà. Et puis, passe comme ça un an et demi, et puis même un petit peu plus. Et là, vraiment, j'étais vraiment désespérée parce que je voulais quitter la ville, absolument quitter la ville. Et j'avais envie de cette nouvelle vie qui m'appelait déjà, voyez, qui était déjà là en fait. Vous savez que le temps n'existe pas, tout est aligné, le passé, le futur, le présent sont un. Et j'étais déjà dans ce nouveau projet qui, je le savais, était pour moi et allait me rendre heureuse. Et puis, je suis télépathe, je ne le cache pas, vous aussi sans doute, mais est-ce que vous l'avez développé ou pas, ben, ça c'est une autre histoire, moi oui, voilà, c'est la différence. Et eh bien, je demande, je vais dire ça comme ça à mes supérieurs, je dis mais je ne comprends pas, et vous savez que lorsque vous avez un élan du cœur, que ce soit du désespoir, que ce soit de la dévotion, on vous entend toujours et on vous répond toujours. Et donc là, moi, c'était vraiment un élan de désespoir, en fait. Je dis, mais je ne comprends pas, ça fait un an et demi, deux ans que je cherche, un an et demi, mais je ne comprends pas pourquoi je ne trouve pas mon lieu et je ne comprends pas. Vous allez me laisser comme ça, pourrir en ville ou c'est quoi le problème? J'étais vraiment désespérée et je n'ai pas été très forcément... très douce dans mon propos, mais j'avais besoin de l'exprimer, j'avais besoin de me révolter, vous voyez. J'ai dit, mais mince, mais eh oh, là-haut. Et en fait, eh bien, j'ai immédiatement reçu la réponse. Quand on est dans ces états-là, la réponse vient toujours. Alors, si on est télépathe, elle vient par télépathie. Si on est clairaudience, ça vient par les sons. Clairvoyance, ça va être des choses qui apparaissent. Si on est plus sensitif, ça va être des sensations. On va être guidé vers le lieu. On va sentir, en fait. Mais on a tous une porte d'entrée, soyez-en certains. La mienne, la plus facile pour moi, c'est la télépathie. Donc, voilà la réponse. Tu n'as pas encore atteint le niveau vibratoire du lieu qui t'est destiné. Ah, déjà j'apprenais qu'il y a un lieu qui m'est destiné. C'est-à-dire que le niveau vibratoire de ce lieu est très élevé. Et ta vibration n'est pas encore ajustée avec celle du lieu. Alors, force est de constater que le fait de vivre en ville a fait que mes pratiques... sont moins intensives, il faut bien le dire. Et puis aussi, mon mental, mon émotionnel et même au niveau physique, eh bien, je ne suis pas si légère que ça.
C'est-à-dire que je baigne dans les énergies du collectif d'une ville, voyez. Donc c'est sûr que je ne suis pas dans le même état de conscience que quand je passe des mois dans une montagne et à manger cru, le plus proche possible de l'état naturel. À méditer des heures, à me lever très tôt, à me coucher tard, à pas avoir besoin de beaucoup de sommeil, et tatata. C'est pas du tout la même réalité en ville. Donc lorsqu'on me dit ça, bien sûr, je comprends. C'était ma lecture en fait. Mais après, j'ai compris que c'était pas là que je pêchais. Et puis, sur ces entrefaits, alors je me dis, écoute, je vais faire des efforts. Et j'étais un petit peu embêtée avec ça parce que j'avais l'impression, déjà en étant en ville, de faire beaucoup par rapport aux autres. Pardon pour la comparaison, mais qu'est-ce que vous voulez? Je vis dans une fourmilière humaine, donc je me compare aux autres fourmis. Hein. C'est... Voilà. Et du coup, en août, septembre, là, fin août, début septembre, je commence cette présente chaîne. Pourquoi j'ai ouvert cette chaîne? Parce que moi, pendant le Covid, des gens comme Sylvano Trotta, des gens comme à l'époque Jean-Jacques Crèvecœur, des gens comme Emma Cruzi, et d'autres en fait, m'ont vraiment aidé. C'est surtout Sylvano Trotta. Tous les jours, avec mon repas, je suivais Sylvano Trotta pendant toute la période du Covid. Cet homme, je lui dois une fière chandelle parce que j'ai vraiment pu avoir cet éclairage. Moi qui ne regarde pas les médias mainstream, j'ai pu quand même avoir un son de cloche. Et lui, je lui étais fidèle, mais bien sûr, je regardais aussi d'autres lanceurs d'alerte. Et beaucoup disaient, si vous avez un talent, si vous savez faire quelque chose, partagez-le sur les réseaux. Et moi, bien sûr, maintenant, il y a 30 ans à peu près que j'enseigne la méditation, que j'organise des stages de développement personnel, des stages d'éveil spirituel et que je travaille dans ce sens. Donc, je me suis dit, il est écologique pour moi, il est écologique que je donne. Maintenant, j'ai beaucoup reçu de tous ces gens qui sont sur ces chaînes YouTube. Ce sont mes amis virtuels, en fait, même si je n'ai jamais rencontré un Sylvano Trotta, un Jean-Jacques Crèvecœur, une Emma Cruzi, malgré qu'on vise dans la même ville. Comment elle s'appelle? Chloé Framery. Donc ces gens, en fait, ils m'ont accompagnée pendant ce passage du Covid. Je n'ai jamais loupé une info en question, par exemple, voyez, avec toute cette équipe-là. Donc, je me suis dit, ces gens, ils ont fait partie de ma vie, ils m'ont apporté. Alors maintenant, moi, je dois apporter aux autres, parce que la vie, c'est donner, recevoir. Je sais faire ça, j'ai reçu cette capacité de parler en public, de pouvoir transmettre l'information. Il faut maintenant que je partage, c'est à mon tour. Tout ça pour vous dire que j'ai créé la chaîne vraiment dans un élan d'écologie. J'ai pris, je donne. Et ça va sans doute aider certaines personnes. Même si à ce jour, j'ai seulement 700 abonnés sur ma chaîne, eh bien je me dis que déjà à ces personnes, j'apporte quelque chose. Et même si j'apportais qu'à une personne, ça serait déjà utile, puisqu'une âme, c'est une âme, n'est-ce pas? Donc me voilà partie dans cet état d'esprit, ça me demande, parce que me mettre sur les réseaux comme ça... m'ouvrir au monde et voilà, donc une séance de thérapie pour arriver à passer le cap et à mettre en route ça et me mettre en public comme ça. Bon, bien sûr, j'ai l'habitude d'enseigner en public, mais j'ai les gens en présentiel, voyez. Donc voilà, me voilà partie dans un total élan de don de moi-même, voyez, de don de moi-même. D'ailleurs, je n'ai pas de réseau PayPal et de machin et trucs sur ma chaîne. Il n'y a rien. J'ai vu que sur une ou deux de mes vidéos, ils avaient mis des pubs. Je ne sais pas d'où ça sort, je ne sais pas comment les mettre, comment les enlever. Bon, mais ce n'est pas moi, soyez-en sûrs. Et du coup, cet élan de générosité a fait monter ma vibration. Mais je ne l'ai pas fait pour ça, vraiment pas fait pour ça. Mais après, peut-être, 5 vidéos. Donc, en don,
total, une vidéo par semaine. J'ai gardé ce rythme depuis le début. Maintenant, je suis passée à deux avec les messages de lumière. Parfois, il m'arrive de revenir à une. Certains d'entre vous me disent que ça leur manque. Donc, j'essaye de me tenir à deux par semaine. Hein. Une vidéo comme ça, et puis les fameux messages de lumière qui, il faut le dire, ont un certain succès. Bien, eh bien, un ami m'appelle. Voilà, j'ai trouvé une maison pour toi, en Espagne. Je prends ma petite voiture et je vais voir ma maison en Espagne. Coup de foudre, voilà. C'était la maison que j'attendais et qui m'attendait. Donc, il y a eu tout, exactement tout, ce que j'aurais pu cocher sur Internet, vous savez, pour recevoir le bien idéal pour moi. Absolument tout était réuni. De l'eau, les travaux qui ont déjà été faits, qui sont d'une qualité remarquable, puisqu'ils ont été faits par un maître d'œuvre. Le fait d'être éloigné, le fait d'être dans un parc naturel. Enfin, un truc incroyable. Et juste à côté d'une chapelle de Sainte-Marie-Madeleine. Elle est en bas de chez moi. Donc, avec des sources qui jaillissent de la montagne. Je ne peux pas demander plus. Instantanément, je dis, j'achète cette maison. Je sors de la maison, je dis, je l'achète. Je reviens, tout s'est fait très vite. Je signe le compromis de vente et je fais l'achat. Et je commence les travaux qui, pour moi, étaient nécessaires. Mais la maison était habitable, magnifique. Mais moi, j'ai fait certains travaux pour pouvoir recevoir des groupes, une extension en haut pour m'installer un petit studio, une extension au premier pour ajouter une douche, des choses comme ça. Une jolie plateforme de yoga dans la nature, au bout du terrain, des choses comme ça. Et tout s'est mis en place avec une simplicité incroyable et les ressources sont venues les unes après les autres. Donc, je n'ai pas réfléchi et j'ai dit banco. Et j'ai acheté une maison qui est à 1000 km 960 égale exactement de là où je travaille est. Et donc je vous fais ce témoignage parce que en fait pour vous dire que si vous n'avez pas encore trouvé votre lieu, eh bien c'est peut-être parce qu'il y a un ajustement vibratoire à faire entre vous et le lieu. Toujours cette fameuse vibration dont je vous ai tellement parlé. Plus vous allez élever votre vibration et plus vous allez attirer à vous des scénarios lumineux. Eh bien, dans la perspective de vivre dans le nouveau monde, cet endroit qui vous attend a probablement une vibration plus haute que la vôtre actuellement. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, c'est sans doute le cas. C'est sans doute que c'est un lieu qui a un niveau vibratoire qui est légèrement plus haut que le vôtre ou beaucoup plus haut. Et cela vous demande de faire un certain nombre d'ajustements intérieurs, énergétiques, au niveau de votre mode de vie, pensée, émotion, pour pouvoir arriver au niveau vibratoire de votre lieu. Donc, si vous voulez faire le pas, vous voulez partir, vous sentez que pour vous, il faut partir, eh bien, n'ayez aucune crainte. Si vous le sentez dans vous, dans vos tripes, dans votre âme, eh bien, c'est juste. Mais peut-être que ce n'est pas encore tout à fait aligné. Donc, c'est un moment où il va vous falloir complètement lâcher prise. Pour trouver votre nouveau lieu, il faut complètement lâcher prise. Parce que ce monde dans lequel on va vivre, il est totalement différent du monde actuel. Donc, ne pensez pas aux contraintes du monde actuel pour vivre dans ce nouveau lieu. Laissez-vous guider par vos sensations. Moi, je suis rentrée dans la maison et c'était banco. C'est là, c'est ma maison, c'est là où je veux vivre et c'est là où je suis bien. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais vous dire par rapport à votre lieu. Lâchez complètement prise. Et il va venir naturellement à vous. Le point numéro un, c'est augmenter votre vibration au maximum. Ça, c'est juste et vrai pour tout. Le point numéro deux, c'est lâcher prise, lâcher vos repères, laissez-vous porter et guider. Le point numéro trois, dont je vais vous parler ici par rapport à ce nouveau lieu, c'est qu'il est important de faire la construction intérieure de ce lieu.
c'est-à-dire ces fameuses méthodes de Joe Dispenza, de se sentir déjà dans le lieu, de se réjouir déjà d'y être, de sentir dans vos tripes que vous êtes déjà en train de le vivre. Et ça, de le faire tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, avant de vous endormir. Ça va vraiment vous permettre de créer le scénario dans l'invisible. Je l'ai fait. Et la quatrième chose que je vais vous dire par rapport à trouver votre nouveau lieu, eh bien, la quatrième chose, c'est demander. Alors, peut-être que vous croyez aux anges. Eh bien, vous avez la chance. Faites appel aux anges et eux vous répondront. Ils ont une capacité de nous aider qui est absolument colossale. Donc, faites appel aux anges pour vous aider. Demandez aux anges ou, si vous avez une croyance, autre. Je sais que certaines personnes sont très attachées à un saint. Bon, moi, c'est la Sainte Vierge, par exemple. Je suis complètement amoureuse de la Mère Divine. Donc, bien sûr, je vais demander à la Mère Divine. Mais lorsque je perds quelque chose, ça sera Saint Antoine de Padoue. Parce que j'ai reçu une éducation comme ça et que depuis toujours, ça a toujours marché. Jamais j'ai demandé et pas retrouvé. Donc, ben, écoutez, je continue, hein. Alors, certains, en cas de désespoir, me disent qu'il faut s'adresser à Sainte Rita. Bon, voilà. Peu importe, je veux dire. Et puis, moi, je connais les saints de la tradition chrétienne, puisque c'est celle dans laquelle j'ai grandi, de la catholique romaine. Bon, ma foi. Mais, quelle que soit votre religion, ça n'a pas d'importance. Comme on dit, peu importe comment tu appelles ton Dieu, l'important, c'est de l'appeler. Allons-y comme ça. Et puis, si vous l'avez pas l'appelez pas Dieu, ça va aussi. La divine providence, là-haut. J'ai une amie qui a bientôt 90 ans, 90 ans, et lorsqu'elle parle des êtres de lumière, des anges, elle dit là-haut. Je trouve ça tellement extraordinaire. Donc, pour ne pas entrer dans les confusions religieuses et autres, eh bien, j'aurais envie de dire, demandez là-haut et vous aideront. Voilà. Donc, je voulais vraiment vous partager ma foi. Je voulais vous partager mon enthousiasme par rapport à ce projet que vous avez peut-être et qui a du mal à démarrer. Vous avez du mal à savoir où aller. Vous avez du mal à savoir si c'est juste. Voyez ? Alors, pour savoir si c'est juste, n'hésitez pas, prenez une carte. Je ne vous dis pas de prendre un tarot de Marseille, les 22 lames majeures. Moi, ce sont les seuls qui me parlent, les autres, c'est pour moi, je n'ai jamais utilisé. Mais les 22 lames majeures, oui, je les trouve, ce sont des messages à part entière hein, dans chaque carte. Bon. Mais vous pouvez tout à fait prendre des cartes des anges ou des cartes qui vous inspirent comme ça pour avoir une réponse. Est-ce que cette maison, elle est bonne ou pas pour moi? Eh bien moi, vous pouvez être sûr que je retirerai toujours une carte dans mon tarot. Et je demanderai aussi à une personne, un ami, une amie, de tirer une carte dans le tarot pour me montrer aussi. Soit elle me le montre, elle le fait directement devant moi, soit je demande à quelqu'un d'un peu plus distant ce qu'il ressent. Donc je fais toujours ça pour tester un lieu. Moi-même, je regarde et je demande à une personne extérieure, en plus de mon ressenti, n'est-ce pas? Parce qu'on parle de gros investissements, de centaines de milliers d'euros. Hein. Donc on a envie quand même d'avoir un petit peu de certitude. Ma manière de fonctionner, c'est comme ça. C'est 1. Je contrôle dans le tarot. Et 2. Je demande à quelqu'un à qui je n'ai rien dit, je n'ai pas parlé de ma réponse, et qui va me donner sa vision des choses. En général, ça va dans le même sens. Si ça ne va pas dans le même sens, je creuse un peu. Et je vois avec l'autre pour qu'on recreuse aussi. Mais je sais qu'il y a un flottement dans cette histoire-là. Soit je ne peux pas connaître la réponse, pas maintenant, ce n'est pas pour moi, il y a des ajustements à faire entre-temps, vous voyez? Donc, pour savoir si ce lieu, c'est le bon pour vous, vous pouvez faire comme ça, dans les cartes ou dans toutes sortes de divinations, en fait. Ça peut être le yi-king, ça peut être les runes,
Voyez, vous pouvez avoir ce recours et vous pouvez aussi avoir le recours à la kinésiologie. Donc, franchement, moi, je suis zéro pour faire la kinésiologie pour moi-même. Vous savez qui consiste à tirer comme ça, ça s'ouvre, c'est non, ça reste serré, c'est oui. Moi, je suis zéro avec ça. Et puis aussi, pour le fait de positif, je penche en avant, positif, négatif, je penche en arrière, ça ne marche pas non plus parce que je ne sais pas, j'ai des a priori, je ne sais pas quoi, j'ai des croyances peut-être qui sont cachées, je ne m'en rends pas compte, mais qui font que pour moi, ça ne fonctionne pas, voyez. Donc en fait, en revanche, comme tout le monde, lorsque c'est quelqu'un d'extérieur qui me fait la kinésiologie, eh bien ça marche, vous voyez, par exemple, vous tendez le bras, la personne appuie et vous regardez, le oui, la résistance reste, le non, vous perdez votre énergie, par exemple. Vous avez aussi la possibilité avec votre respiration. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Lorsque vous dites un mensonge ou vous entendez un mensonge, ça se modifie dans votre corps. Il suffit d'étalonner ça, par exemple, de répéter « les vaches peuvent voler », d'observer comment ça se passe dans votre corps. Vous le répétez, répétez, répétez. Vous observez la réaction de votre corps lorsque vous dites un mensonge, quelque chose qui est négatif. Et ensuite, vous dites « les oiseaux peuvent voler ». Vous regardez la réaction de votre corps. Ça, c'est votre oui, ça, c'est votre non. Voyez, en fait, il y a différentes possibilités et je vous conseille d'en utiliser au moins une ou deux avant de faire votre investissement parce que ça pourra vous confirmer. Parce qu'une fois que l'investissement est fait, c'est difficile de revenir en arrière. Bien sûr, vous allez pouvoir le revendre, surtout à la période actuelle où les gens cherchent beaucoup à la campagne. Mais il y a eu les frais de notaire entre-temps, il y a eu toute l'énergie que cela vous a demandé et c'est pas la solution confortable, je dirais. La solution confortable, eh bien, c'est d'interroger la divine providence et puis d'interroger aussi votre propre lumière intérieure pour vous guider. Donc, pour résumer ce que je viens de vous partager ici, eh bien, outre mon expérience personnelle, eh bien, je dirais que pour trouver le lieu, il faut à la fois augmenter sa vibration. S'il n'est pas encore arrivé, c'est qu'il y a un ajustement vibratoire. Et en même temps, il faut lâcher. Il faut lâcher vos croyances, il faut lâcher vos peurs, il faut lâcher. Parce qu'on va vers un nouveau mode de vie, mode d'être. Et il faut vraiment s'ajuster à ça. Il faut s'ouvrir à tous les champs du possible. Peut-être que cette maison qui vous attend, parce qu'elle existe déjà, le lieu il existe déjà, puisque le temps n'existe pas. Donc en fait, ce lieu qui existe déjà pour vous, eh bien peut-être que vous avez un petit ajustement encore à faire avec. Mais il est là, ça veut dire que si vous ne l'avez pas encore, hein, vous n'avez pas encore eu le « ting ting », eh bien c'est que l'ajustement n'a pas encore été suffisant. Ce n'est pas un hasard si vous ne l'avez pas encore trouvé. Il est aussi possible, bien sûr, qu'il y ait des peurs en vous. Des peurs de vous lancer dans une nouvelle aventure. Vous aviez certes une vie confortable avec votre travail, vos amis, vos voisins, avec qui ça se passait plutôt bien. Eh bien, il va falloir laisser tout ça, et c'est lourd. C'est éprouvant émotionnellement, cette histoire-là, vous voyez. Donc, si c'est là que le problème est, allez voir un thérapeute. C'est notre métier de vous aider à vous libérer de ces schémas de peur, de doute et à vous ouvrir la porte vers cette belle expérience. Voilà les amis, je pense que vous avez non seulement plein de pistes pour arriver au lieu qui vous attend, si ce n'est pas déjà fait, et puis aussi pour contrôler que ce lieu est bien le bon pour vous, parce que c'est le vôtre. Voilà, en tout cas, pendant un certain temps. Et ensuite, le lieu continuera sa vie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, ce partage. Et si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce. Appuyez sur s'abonner, si ce n'est pas déjà fait. Et partagez cette vidéo. Parce que peut-être qu'il y a d'autres personnes comme vous qui manque un petit peu de confiance ou dont la vibration n'est pas tout à fait ajustée au lieu. Et peut-être qu'un petit plus va leur permettre de
passer le cap et de quitter ces villes si attachantes où nous avons tellement de commodités qu'on a du mal à les quitter. Et aussi, on vit en communauté dans les villes, même si c'est des communautés froides, et ça rassure, ça rassure. Il y a le voisin d'en face, on peut aller frapper en cas de problème terrible. Voilà. Les amis, bonne fin de semaine et au plaisir de vous revoir la semaine prochaine dans une vidéo. Et en attendant, dans le prochain message de lumière. Excellente fin de semaine. À bientôt les amis. Namasté.